Yo, salut les gars, c'est Fosso. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries de build par Bufflarissa? Je vous explique. Dernièrement, j'ai fait une vidéo d'impactage d'un build qui était full rouge, que je trouvais plutôt pas mal, hein. Et il y a un mec qui a regardé le build et il a laissé en commentaire encore un build chips sans gluten. Donc, comme ça, encore un build de chips sans gluten. Il semblerait qu'il y ait des gens qui aient du mal à jouer le full rouge. Donc, je vais vous faire un build par Bufflarissa. Alors, c'est pas une connerie, hein. C'est un vrai build. Hein. C'est un vrai build. C'est un build où il y a quand même pas mal d'armure. Il y a 1,6 million d'armure. Et il pique, franchement, il pique. Il est et costaud et il pique. Pour tous ceux qui vont avoir du mal à jouer le full rouge, je pense que ce build va être pas mal. Mais par contre, les mecs, attention. Je vous présente le truc. On en parle après. Il va falloir le refroidissement. Donc, il va falloir trouver le Père Noël. Le Père Noël, vous savez, ce petit mec-là qui sort des plaques d'égout et qui lâche des loots comme ça. Va falloir trouver ce type. Attendez, je dois avoir une photo dans un coin du gars. Oups, ça c'est ma photo de profil sur Tinder. Voilà, c'est lui. C'est ce mec-là. Donc, si vous voulez trouver ce type-là, je vous mettrai en bas dans la description, là, ici, en bas dans la description, je vous mettrai un petit lien qui vous permettra de trouver le gars. On va pouvoir commencer à le trouver et à farmer le masque du refroidissement sur ce type à partir du début du mois de décembre. C'est exclusif. On peut le looter, ce masque, que au mois de décembre. Et pendant les vacances du mois d'août. Le mois d'août est déjà passé, c'est terminé. Donc là, ça va bientôt arriver. Dans une dizaine de jours, vous aurez l'opportunité de pouvoir looter le masque dès le 1er décembre. La prochaine pièce, c'est le gilet chasseur-tueur. Pour pouvoir avoir ce gilet chasseur-tueur, il va falloir se taper les 13 chasseurs de New York pour ouvrir cette boîte. Il sera dedans. Donc le chasseur-tueur, il nous donne intimidation parfaite. On va cumuler à chaque seconde des effets jusqu'à un maximum de 10. Chaque effet va nous donner 4% de dégâts, donc jusqu'à 40% de dégâts tant qu'on a de l'armure bonus, de l'armure en bleu. Ça fait quand même, c'est pas mal, 40%. Après, j'ai choisi les gants groupe au sans bras. C'est pour faire un cumul de crit. Vous allez voir qu'il y aura quand même beaucoup de crit. C'est pour ça qu'il va taper. Et beaucoup de probas. Et donc, la deuxième des pièces maîtresses du pactage, c'est le sac Memento. C'est lui qui va nous donner l'armure bonus qu'on a besoin pour le chasseur-tueur, pour avoir les 40%. Sauf que le Memento, à chaque fois qu'on va tuer un petit bonhomme, il va nous donner 5% de dégâts d'armes à chaque fois qu'on va en tuer un, qu'on va ramasser le petit drapeau, et il va nous donner 10% de protection bonus. Si on gère bien, et vous allez voir, c'est très 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 gérable, on va vraiment monter beaucoup notre DPS. 40%, plus 5, 45, plus 5, 50, plus 5, 55, plus 5, 60, plus 5, 65, plus 5, 70, etc. Tout en montant l'armure à chaque fois. J'ai donc pris mon spécialiste incendiaire pour avoir le bouclier qui va me donner du dégât d'armes en plus. Je vais avoir jusqu'à 10 ou 11% de dégâts, 10% je crois, de dégâts d'armes en plus grâce au bouclier. J'ai pris une ruche de res qui est tier 1. Le bouclier, oui, il est tier 4. Hein. C'est assez costaud quand même. Voilà, on a plus ou moins fait un petit peu de tour du pactage. Il y a deux pièces Sokolov qui vont nous apporter le crit. Et j'ai choisi le prophète. Je pense
pense pas qu'on s'en serve, mais il est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt pas mal. Mais je pense pas qu'on s'en serve vraiment du prophète, en fait. Bon, pour ce qui est des armes, j'ai choisi l'hiver funeste. Ça va son importance pour le tueur parfait. Mon hiver funeste, il en dégâts de mon abrité, évidemment. Le tueur parfait, plus 90% de dégâts coup crit dès qu'on aura tué un mob. Pendant 10 secondes, on a plus 90% de dégâts coup crit. Vous allez voir, ça va avoir son importance vu le dégât coup crit qu'on a avec ce pactage. Le M4, pareil, qui est en cible non abritée et qui a le tueur aussi, pas le parfait, et plus 70% de crit. Donc on voit que mon hiver funeste, il y a 55 de probarme et puis 214 de crit. Dès que vous tuerez le premier mob, vous aurez plus 90% à ces 214. Ça va faire du gros crit, il fait très mal ce pactage. Pareil sur le M4, on a un peu moins de crit de probar, on a 44, on a 194 de crit et on aura plus 70% pendant 10 secondes dès qu'on aura tué un mob. Et je vous assure que les mobs, on ne met pas 10 secondes à les tuer, croyez-moi que ça enchaîne. Bam, 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 ça enchaîne. Donc vous remarquerez que la totalité du pactage, sauf peut-être mon prophète K12, mais la totalité du pactage, il est à 27. Expertise 27, ça a son importance si vous voulez atteindre votre armure à 1,6 million et si vous voulez avoir quand même de la protection quoi, de côté par buffle. Ça a son importance, l'expertise, et aussi sur les armes, si vous voulez qu'elles tapent comme ça avec le bleu qu'on a. Il va falloir aussi expertise les armes. Donc voilà, pour ceux qui ne veulent pas de pactage chips sans gluten, il va falloir faire un pactage par buff piment, par buff harissa, parce qu'il est costaud et ça pique. Par contre, ça va piquer. Pour expertiser tout ça, les gars, il va vous falloir 730 composants exotiques. Ouais, ces petits diamants-là que vous n'avez pas envie d'aller chercher. En DZ, ouais, voilà, il va falloir taffer les mecs. Donc voilà, alors maintenant j'ai envie de dire à ceux qui veulent pas d'impactage chips sans gluten, et ceux qui ne veulent pas d'impactage full bleu, parce que ça t'a pas assez, c'est le bon compromis. C'est le bon compromis. Par contre, il y a du taf, les gars, il y a du taf. Les 13 chasseurs de New York, 730 diamants, le Père Noël pour le masque, il y a du boulot. Et si jamais le full rouge, ça vous va pas, le full bleu, ça vous va pas, ça tape pas assez fort, et si jamais le mi-tank, mi-DPS, ça vous va pas non plus, parce que il y a trop de farm, vous pouvez toujours changer de jeu et aller jouer sur Minecraft, les mecs. Voilà.
Voilà les gars, ciao bye, fumez de l'épice et n'oubliez pas, gardez la pêche.